Salutations. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous sommes heureux de communiquer avec vous tous. Nous sommes très heureux de tous vos progrès car nous vous voyons vivre en plus grande harmonie les uns avec les autres en mettant de côté vos différences. Certains d'entre vous savent que vous allez être en désaccord avec quelqu'un sur certains sujets. Et plutôt que d'essayer de convaincre l'autre, nous avons vu votre propension à aller vers la paix plutôt que d'aller vers le conflit. La période dans laquelle vous vivez vous démontre que vous ne pourrez convaincre personne qu'il a tort en vous opposant à lui. Ce n'est pas la voie vers l'unité, car unité et unicité sont le but ultime sur votre terre. Vous devez être unifiés pour les uns et les autres, et surtout pour les êtres d'autres terres qui ne se sentiront pas à l'aise pour débarquer avec leur vaisseau sur votre sol. Vous avez besoin d'une conscience d'unité pour atteindre cette paix intérieure, pour élever votre vibration, pour vous donner accès à vos dons et capacités spirituelles. Vous devez vous connecter avec votre famille d'âme afin de rejoindre la communauté galactique. Et vous avez besoin de ce sentiment d'unité pour ascensionner. Pour ceux qui résistent encore et qui veulent toujours avoir raison, sans gentillesse ni compassion, nous dirions que vous n'avancez nulle part avec ces croyances. Et si vous pouvez au moins vous efforcer d'accepter les autres qui font un choix différent ou qui ont des pensées différentes sur un sujet, alors vous faites un pas de plus vers l'harmonie sur Terre. Vous devez laisser chacun être là où il est, tout comme nous devons vous laisser tous être là où vous êtes. Nous ne voulons obliger personne avec une sorte de baguette cosmique pour vous faire penser différemment. Nous savons que la vraie croissance spirituelle et l'évolution viennent du fait que vous êtes capable de vous aimer malgré vos différences. Le monde évolue en raison de sa volonté de pardonner et d'oublier. Et donc, encore une fois, en tant que collectif éveillé, vous devez donner l'exemple, même si vous avez encore des croyances tenaces. Ce n'est pas très digne d'une ascension. C'est une idée encore religieuse que vous êtes censé transcender en ce moment. Ce qui vous maintient sur le chemin de l'ascension, c'est la compassion, ainsi que le pardon et l'amour inconditionnel. Ce sont les moments qui vous offrent ces opportunités d'offrir le pardon, de ressentir de la compassion et d'être l'amour inconditionnel. Ceux d'entre vous qui le savent déjà et qui pratiquent ces vérités que nous vous donnons, faites savoir aux autres que c'est là où vous en êtes. Laissez tout le monde vous voir dans vos actes de gentillesse, vos actes de service et votre volonté de voir tout le monde comme votre égal, indépendamment de ce qu'il croit. Le grand fossé entre la plupart des humains est finalement causé en vérité par la peur. La peur de celui qui vous blesse puisse vous blesser à nouveau. La peur est la base de toute division. Vous ne laisserez pas gagner ceux qui profitent de cette division. Montrez à ce monde et à tous ceux qui s'y trouvent à quel point vous êtes puissant en n'ascendant pas à cette peur, mais plutôt en embrassant vos semblables, quoi qu'il arrive.
Voyez la source et l'amour à l'intérieur de chacun de vous, et vous sortirez de ces temps difficiles. Vous entrez dans l'ère de l'illumination. Vous continuerez le voyage d'ascension avec le plus de liberté possible, plus de joie, plus d'amour que jamais auparavant. Nous sommes le conseil arthurien et nous avons apprécié communiquer avec vous aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment. Merci. 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 Merci.